inattendu. Donc on est toujours dans le temple, accompagné d'Arniok, le temple d'Erfanan, en train de parler au prêtre et à l'apprenti. On continue la conversation. Donc là, Arniok nous dit qu'il était bien dans sa montagne. Ainam, le prêtre, enfin le grand prêtre du village, le sage, quoi, l'ancien. Après le trajet en bateau, vous arriverez à Ovarian, une petite ville portuaire. Séphanin ne sera alors plus très loin. Il en a au moins pour 2 semaines. Allons-y, ne perdons pas de temps. J'ai hâte d'en finir. La sortie de la villa, du village est tout au sud du quartier ouest. D'habitude, on ne laisse personne partir seul, mais tu es accompagné maintenant. Donc c'est bon, la route qui était bloquée va nous être ouverte. Le problème, c'est que j'aimerais bien quand même... Enfin... J'aurais bien voulu... concrétiser ma quête là, enfin finaliser ma quête avec le chasseur. Mais le problème, c'est que je me souviens plus du tout de où il habite. On va fouiller au pif, mais ça c'est ouais, c'est un magasin. On va voir s'il n'y a pas des potions de soins. Qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre nous comme bricole sinon, si pour se faire un peu d'argent. Fil et aiguille. Mais ça peut sûrement servir. Parce qu'on n'a pas grand chose à vendre apparemment. Un réputation maître de pot d'ester, des glaces, un sac de graines. De toute façon ce que je vois on n'a pas encore les toutes les pots, enfin c'est 5 pots je crois qu'on doit les ramasser, je ne sais plus en fait. Ah j'ai pas regardé ce qu'il y a là-bas avant, mince. Des fois que... Petite potion de soin pour pas trop cher, ça pourrait le faire. Antipoison, voilà, soin 74 PC, on en a combien nous? 150. Ouais, ça fait cher quand même, ça nous fait la moitié de ce qu'on a là, pour un seul soin, mais c'est vrai que... C'est le genre de truc qu'on a quand même assez besoin. Ça dépanne. Faire un hold-up. Non, on va s'en passer. Vous voyez, la liberté d'action est vraiment assez énorme. Hein. On pouvait l'entuber ou on peut carrément la braquer. Mais nous, on va jouer réglo. Hop. Peut-être un peu cher, mais... Pour dire, on a une longue route qui nous attend. Je pense que... Une fiole de soins n'est pas de trop. J'aurais bien voulu voir ce fichu sorcier, chasseur plutôt. Là on revient à la place principale. Ah non, ça en est une autre ça. Donc ouais, je crois que là on arrive à la zone que je cherchais depuis tout à l'heure. Bah non, on est revenu à elle qu'on était tout à l'heure, bah oui. Mais où ce fichu port là? Comme pouvoir, c'est bien détaillé. On voit un petit, une légère petite brume là. Avec les flocons de neige, etc. Enfin, c'est bien animé. On voit des oiseaux un peu partout. C'est un cul-de-sac ici. Voilà, c'est le temple. Oh là là, on va jamais y arriver. Je suis officiellement paumé, là c'est le magasin donc ça ne nous intéresse pas. Là c'est quoi? Audran enchanté, c'est une auberge. C'est pour dormir. Sauf qu'il faut payer, je crois. Ça c'est un habitant. Et il faut pas hésiter à leur parler hein, parce que. Parfois ils ont des petites quêtes. Ou au moins ils peuvent vous en renseigner un peu sur. On apprend qu'il y a d'autres villes dans les environs. Alors c'est quoi ici? Sort pas cher en vente. Ah ouais? Ouais, sauf qu'on a plus trop d'argent, mais on va quand même regarder.
Bon bah, de toute façon, on n'a même pas de quoi acheter le premier truc, les articles du premier prix. On est à sec. Donc partons d'ici. Mais on sait qu'il y a quelques trucs intéressants, là, apparemment. Surtout pour l'héroïne, vu que c'est plus ou moins une mage. Bordel, mais pourtant la ville n'est pas si grande que ça. Comment ça se fait? J'arrive pas à retrouver ce fichu chasseur. Wow, désolé. Ça y est. On n'arrive plus à rien. Bon, ça me gave un peu là de tourner en rond. On va quand même, au pire des cas, on va partir et ben, un peu précipitamment. Notre destination, quoi. Je sais plus trop c'est où, mais on doit changer de continent, quoi, déjà. Maison de Neba le Tanneur. Eh ben, c'est là! Ben, comment ça se fait que je. Ah non, c'est le Tanneur, c'est pas le chasseur. Lui, c'est lui qui a besoin des pots, mais c'est le chasseur qui d'habitude lui en ramène. Mais lui, le chasseur est malade. Je me souviens, il est sur un lit et il attend qu'on lui ramène une potion ou un truc comme ça. Ah bah, du coup, si! Je te les donne gratuitement. Non, on a quand même besoin d'argent. On peut lui donner, mais bon. 30 points d'expérience et 120 MNL, voilà. Bon, on aura quand même conclu une quête du coup. Mais j'aimerais bien aussi rétablir le. Le chasseur, quoi. Parce que je sais qu'il est KO quelque part dans son lit. En très mauvaise posture, tout seul. Chez lui, quoi, mais le. Bah, c'est pas ici, hein. C'est le chasseur, ça. Maison de Fnelmib. Je sais pas qui c'est, mais ouais, c'est lui qui nous a proposé d'aller arnaquer le prêtre. Bah, vu qu'on s'en va, on pourrait le faire, on remarque, mais oh, on va s'en passer. Maison, si, je vous assure. Mais la maison de qui? Bah, peu importe, on y a déjà été ici. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je crois. Personne peut me dire où est le chasseur là? Il a perdu ses graines dans la montagne, ok. Là c'est le temple, les 5 cul-de-sac. C'est que ça fait un moment donc je me souviens vraiment plus c'est où. Ça c'est l'armurerie. Ça c'est la maison de l'ancien. Qui n'est pas là d'ailleurs parce que lui il est au temple. Bon allez, on va faire un tour dans l'armurerie, on sait jamais. Vu qu'on a récolté un peu de pièces là. On va voir ce qu'on peut prendre de notre nouveau collègue. Il a deux petites hachettes, c'est toujours pas mal, mais si on peut lui prendre une grosse arme à deux mains ou un truc comme ça peut peut-être le faire. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Ils reprennent que 12 pièces le soin alors qu'on les a achetés 75, il me semble. Bon, il n'a vraiment pas grand-chose à vendre. Bon, on va acheter, enfin, on va regarder ce qu'il a. Ah, il y a des. Des armures, quoi. Le petit casque du monde mais protège bien un peu. Ok, bon. Pas très subtil, j'imagine. Une masse est bien sympathique. Un gourdin. Bon, ok, il a vraiment pas grand chose. Standard, ouais, ça a pas l'air super mieux par rapport à ce qu'on a. Comment on fait pour voir les. La différence. Enfin, pour comment dire, j'aurais bien voulu voir la par rapport à ce que j'ai moi, quoi.
Même pour la masse, je sais pas si c'est plus efficace que ce que j'ai déjà au niveau de mon personnage. Il n'y a pas écrit les... Vu qu'il n'y a pas vraiment écrit les statistiques, je vais me méfier pour l'instant. On va rester comme ça. Alors est-ce que c'était par là le chasseur du coup que je me suis trompé? Non. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas ça. Ah, quelqu'un a besoin d'aide? Qui veut qu'on retrouve la piste de son ancêtre? Tu sais, j'ai retrouvé récemment une vieille clé qui appartenait à mon grand-père. Quand j'étais petite, celui-ci m'en avait parlé. Il me disait que notre ancêtre commun était mort dans la haute montagne. C'était un explorateur et un chasseur aguerri. Son compagnon de voyage l'avait enterré là-bas, avec tout ce qui lui appartenait. Cet ancêtre s'appelle Armel. Armel n'était pas originaire d'Erfanan, mais il s'y était installé peu avant de mourir. Et à notre naissance. Non, et a donné naissance à mon arrière-grand-père. Ok. Aujourd'hui, je voudrais bien mettre la main sur les affaires d'Armel. Premièrement, elles me reviennent. Deuxièmement, elles me serviraient. Je souhaite financer un voyage pour me tirer de ce village de Plouc. Je pense que je peux vendre ce trésor. Enfin, ça, c'est mon affaire. Si tu retrouves le coffre, je te donne la moitié de son contenu. La plupart des fainéants de ce village ne veulent pas y aller. Les rares qui ont accepté n'ont rien trouvé. Ont-ils vraiment cherché? Bah, vu qu'elle a la clé, c'est pas vraiment piller la tombe, c'est plutôt un trésor que son grand-père avait laissé pour ses descendants, quoi, on va dire. Donc, ouais, on va accepter. Enfin, quelqu'un qui a du courage, alors fais de ton mieux. Ce sera toujours ça. Donc, ça va nous donner un prétexte pour retourner à la montagne. Salut, vous. Vous pouvez passer, voyageur. Ok. Non, on va pas y aller là. C'est pour partir, ouais, justement, aller. Changer de continent, quoi. Changer de zone. Bah alors. Normalement, on peut fouiller dans la poubelle. Hop, j'ai déjà fait. C'est pour ça que c'est plus disponible. Je pensais trouver un moyen de pouvoir aller chez le chasseur, enfin. Encore et encore, quoi. Bon, tant pis. Hop, regardons ce qu'elle nous a donné comme quête, l'autre là. Au chevet des chasseurs. C'est ça que j'aimerais bien faire finir, moi. Bon, du coup, on a entamé autre chose. Somorine, le quartier ouest. Vous demande de retrouver le coffre de son ancêtre Armel qui se trouve quelque part dans la montagne. Bah du coup on va repartir à la montagne. Tant pis. On va essayer de trouver ce fichu coffre. Sûrement la porte un peu bizarre qu'on a vue tout à l'heure là. Non? Faut que je me méfie un minimum quand même. Parce que. J'ai pas énormément de vie, je crois. Ouais. Mais ça va là. On a de la chance. Quoique,
Est-ce que ça respawn dessus? Parce que des fois il y a des trucs. Waouh! Ah, puis là il y a du monde. J'aurais dû aller directement au lieu de revenir. On va économiser nos points de magie quand même. On aurait pu refaire ça, ouais, et du coup revendre plus de pots, mais tant pis. Donc là, il n'y a vraiment pas d'échappatoire, c'est ici ou rien. Non, non, voilà. Voilà. Mais non. Donc il y a vraiment que là où on peut aller. Hein. Je regardais quand même par sécurité. On va revenir dans la cabane du chasseur, quoi. Enfin, du mec qui est avec nous là. J'ai pas vu de temple moi, ni de porte là. Donc est-ce que c'est bien dans la montagne? Bon, décidément. On va faire une longue sieste de 2 jours après là. Vu que c'est gratuit dans la cabane de notre collègue, et on pourra y aller dormir à notre aise. Voilà, en plus il a gagné un niveau. C'est pas super bien équilibré, mais tant pis, on va faire ça. C'est un bourrin, donc on va essayer de des statistiques de bourrin. Hop. De nuit au moins là. Donc où est cette entrée de grotte là? Du coup j'ai même pas te regarder là-bas, enfin dans le temple comme ça là tout à l'heure. Il n'y a plus rien d'intéressant de toute façon, ouais, les temples on peut les looter qu'une fois. On a la clé, mais je vois pas à quoi ça correspond.
Ben, elle a regagné un niveau, elle. Tant mieux. C'est obligé qu'il y ait quelque chose ici qu'on a loupé, hein. Où est-ce que je suis là? Ah ah! Je crois qu'on a trouvé le gros lot. Le trésor est ici. Tu fouilles à cet endroit. La terre est molle et tu n'as pas trop de difficultés. Tu finis par trouver un coffre luxueux, mais il semble fermé à clé. Trouvé, coffre d'Armel. Voilà, on n'a plus qu'à lui ramener. Faire moite-moite. Il n'y a pas de plantes à récupérer ici. Histoire de faire des potions ou autre, non? Et bah c'est parti. Hop. On va passer par le raccourci du coup. On va revenir à la planque de solitaire. Ah, faut que je mette des points aussi dans... ouais, pour fabriquer la boussole là. Faut pas j'oublie, je le ferai une fois rendu en ville. Comme ça on essaiera de terminer ça en même temps. Il faudra retrouver le chasseur quoi, ça serait bien avant de partir. Voilà, hop. 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 Nous y voilà. Donc elle est juste ici. Ça va être dit rapide. Eh ouais. Il y a de l'équipement déjà. Une ceinture. Un gilet. Alors, on prend quoi, le gilet ou la ceinture? Je pense que le gilet c'est plus utile qu'une ceinture. Un gilet de protection. Yes. Ça compte pour l'expérience. Donc on va le mettre sur le dos de notre collègue. Objet. Armure. Non, c'est pas ici donc. C'est dans armure, bah oui. Ou équipement plutôt. Arnioc. C'est là. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc voilà ce qu'il a. Il a une masse et un gourdin. Ah ouais, c'est pas terrible, hein. Alors il va falloir que je trouve des trucs un peu mieux. Mais là, j'en ai pas. Et l'autre, ils vendaient que des trucs comme ça, de toute façon aussi. Ils vendaient pas de trucs terribles. Ah oui, on va fabriquer notre... Non, c'est pas ici. Érudition. Combien il nous fallait... je ne sais plus. Avant, on va regarder déjà alors. Dans... Fabriquer... Faut 13. Ici.
Voilà, pour l'instant. J'avoue que c'est pas super top ce que je fais, mais bon. Allez. Bah, déjà, on va faire la boussole. Voilà. Autre manuel boussole. L'objet a été créé avec succès. Gagner 100 points d'expérience. 3 points de capacité pour avoir réussi à fabriquer un objet. À dépenser dans le menu capacité. Donc, qui nous avait demandé une boussole déjà? C'était pas ici. Bon, on va dire on va sauvegarder au pire des cas. Il semble que c'est là. Non, c'est pas là parce que là c'est les magasins, ça c'est vrai. Là à droite c'est pareil. C'est une auberge. Et là c'est un magasin standard. Donc c'est un peu plus bas. À gauche c'est la maison de l'ancien. Et à droite c'était quoi déjà? C'est le temple je crois. Ouais, donc c'est plus bas encore. C'est le tanneur, ça. Mais on va voir, vu que j'ai d'autres pots. C'est ce que ça te dit. Eh, tant pis. Il me semble que c'est là. Je suis pas trop sûr, je me souviens plus. C'est ça. Et un bâton pointu pour le combat, qui est fait aussi pour apparemment. Bah pour les deux, apparemment, les deux peuvent s'en servir, mais on va voir pour qui il sera mieux. On va commencer par elle, voir. On a un bâton simple, nous. C'était quoi un bâton pointu qui. Ah ouais, ça, on est quand même beaucoup plus puissant avec ça. Donc on va le prendre. Ah, quoique. Moi, ça, je repassais de 6 à 15. Pourquoi je. Ah non, ok, fou. Oui. Ah là là, ça va plus. C'était la comparaison, ouais. Enfin, bref. Bon, le chasseur, du coup, je pense pas qu'on va réussir à le trouver celui-là. Là, ça m'énerve un peu, ça. On n'a pas une carte sur nous quoi. Cartographie. Et voilà. Bah c'est Fnelnib et Fnardol les chasseurs ou quoi? 3. Vers le centre, maison du tanneur. Apparemment si c'est ça, c'est bien là que j'ai à faire quelque chose. Bah, est-ce que j'ai confondu? Et pourtant il n'y avait personne qui était dans un lit là. Lui qui veut nous faire faire son tout pourri là. Mais là, il n'y a personne. En plus, c'est une petite maison là. C'est un truc assez énorme. Avec plusieurs étages.
Ouais, non, sûr, c'est pas ici. C'est vraiment, ça a vraiment rien à voir comme maison. Ah voilà. Mais oui, il y a d'autres quartiers. Bah, comment ça, j'arrive pas à sortir moi? C'est quartier sud. Bah non, c'est là où nous sommes. Mais non, le quartier nord, ça. Ah, le quartier nord, c'est là. Quartier central. Est-ce qu'on y était ici? Temple d'Afanan, à la s'est trempé, les draps à chanter, le voyageur routier, le verset d'avenir, la maison d'Ainam. Ça, on y est passé. C'est là qu'on arrive directement. Le central, le voyageur oublié, le verset d'avenir. Mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Voilà. Bah non, c'est pareil. Quartier ouest, donc. Maison de Cerne, maison de Somorine. Quartier sud. Maison du tanneur, maison de. Bah, elle est où la maison du chasseur? C'est quoi? J'ai quand même pas la mémoire qui flanche à ce point. Il semblait bien que. En plus, c'est écrit dans les quêtes. Maison d'Aran. Donc, ça a l'air d'être tout en haut, ça, quartier nord. On va y aller, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on y était. J'ai dû confondre. Je voyais ça en bas, mais en fait, c'est possible que ça soit tout en haut. Je ne sais plus, mais je sais qu'on a parlé à un chasseur, on devait le guérir. Donc, je sais même plus si je l'avais guéri ou quoi, mais je sais que normalement, la quête n'est pas finie. Là, on est au centre. Elle peut pas aller plus haut, quoi. Non, on s'en fout des versets pleins d'avenir. Ah bah non. J'arrive à me paumer dans un petit village. Ça s'annonce bien. C'est qui ça ici déjà? Non, c'est pas ça. Elle, c'est la mère du petit qu'on voit dehors avec sa petite bestiole verte. Allez, on va passer ici du coup. On sait qu'on peut maintenant. Que c'est des vendeurs. Itinérant. Ah bah c'est un truc quand même plus intéressant. Mais très cher. Une hache. 113, j'ai 196. Ah, un combat. Ok, je pensais que c'était une zone safe.
Eh bien oui, désirez-vous ici, il ne vous en coûtera que 50 et n'allez plus jouer. C'est quoi? Salutations inconnues, prêtre et moi. Permettez-moi de me présenter, je manie un art très particulier, celui de réaliser des portraits vivants. On en reparlera. Je vois pas trop l'utilité. Moi, je suis pas trop chaud pour aller directement dans la grotte là. Je suis chasseur, tout ça là. Puis bon, avec ces petites matraques en bois. Là, ça va. On peut se débrouiller contre. Contre les petites créatures, mais après. Ok, bizarre. Il voulait que je bute le marchand. Mais on va y aller, juste comme ça, par curiosité. Va essayer comme ça, déjà. Voilà, bah cool.
Bah, sont pas si carrés que ça du coup. Je m'attendais à des ennemis un peu plus balèzes. On va garder nos points de magie. Ils ont pas l'air d'être très coriaces. On va essayer de se les faire à la classique. Compétences. Bah alors, c'est un cul-de-sac ou quoi? Hop, encore un niveau. Et encore là, lui. Ah merde. Du coup, on va utiliser la feuille, garder notre soin quoi. Faudra qu'on se repose, parce qu'il faudra récupérer des points de magie par contre. Pourquoi faudrait baiser les seaux? On va parler au suicide. Parce que c'est. On est obligé de le faire pour passer ou quoi? Ah.
J'économise mes points de magie parce que là on est un petit peu. À sec. Voilà, une sortie de cette grotte, c'est déjà ça. Salut, je profite de ce voyage pour vendre quelques objets. Faites-moi voir. Granny m'a dit quoi? 123, on est à 221, mais c'est vrai que c'est pas mal ça, mais. Bordel! Bon, on va enregistrer déjà, je vois que c'est ici, on va pas tarder à couper de toute façon pour cet épisode-là. Je pense pas qu'elle va bouger bien loin, malgré qu'elle dit qu'à part voyager. On sait qu'il y a un truc intéressant ici. Voilà, là faut réserver le place pour le bateau, mais moi je suis pas décidé maintenant à partir, j'aimerais bien quand même compléter quelques quêtes et faire un maximum de trucs ici. C'est tout. Le port, pas de maison. Comment ils font pour accéder au port? Ils passent tous par la grotte. Ben ouais, apparemment c'est le cas, hein. Dommage. On va rentrer là, dans ça. Ok, c'est les mercenaires en fait qui aident les gens à traverser la grotte. Okay. C'est pour ça qu'on en a vu tout à l'heure, à l'entrée et à la sortie. Allez, pourquoi pas pour 5. Bon bah ouais. Tant pis. Apparemment ouais, on peut pas aller ailleurs. Eh bien tant pis. On s'est arrivé au port. Mais de toute façon je vais pas partir maintenant. Je vais revenir sur mes pas. Je vais retraverser la grotte je pense. Faut que je me débarrasse de la quête avec le chasseur là. Ok. Ça commence bien. Ah il a plus de vie aussi le mec. J'avais complètement pas vu. Tout ça. Voilà, KO. Heureusement de sauvegarder, je reprendrai comme ça la prochaine sauvegarde là, parce que je suis revenu ici alors que c'était pas la meilleure chose que j'avais à faire. En tout cas pas de suite.
Là, il lui faut un petit somme. Mais ça, on pourra pas le faire ici. Alors, on n'aura pas le choix, faudra qu'on retraverse la grotte. Donc, quête. Au chevet des chasseurs. Le chasseur qui travaille avec Nebadage n'est plus en état de travailler. Il espère que vous puissiez trouver une solution à son rétablissement. Ben oui, mais. Où habitent-ils ces chasseurs? C'est tout ce que je demande, moi. Parce que bon, ça fait un moment que j'ai pas joué, je me souviens plus, moi. Où ils se trouvent, précisément. Ça peut être qu'ici, mais c'est bizarre. On verra bien. Pierre, j'essaie de regarder dans l'ancienne vidéo. Enfin, pas elle d'avant, mais encore celle de. Enfin, la deuxième, simplement, il me semble. Où j'avais activé la quête, comme ça je verrais sûrement où c'était. Comme ça, moi, je pourrais enfin la terminer et revenir au port pour partir ailleurs. Donc, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon jeu.